Salut, bienvenue pour ce troisième épisode consacré au Cold Wallet, Ledger, NanoS et compagnie. Si tu n'as pas vu les épisodes sur le Arcos Safety ou sur le Cool Wallet S sous format de carte bleue Bluetooth, je t'invite à aller les voir également comme alternative à ce NanoS ou au Ledger Blue que je n'ai pas là par contre sous la main. Si tu ne l'es pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter pour voir les vidéos avant les autres ici sur la rubrique tout en haut à droite de languedegeek.fr. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais me mettre donc en position, voilà, fond vert avec une découverte en même temps que vous de ce nouveau Ledger Live. Alors Ledger Live, ce n'est pas un nouveau produit, mais c'est une nouvelle interface web. Vous le savez, dans le live que l'on anime une fois par semaine, le Crypto Live, on a souvent critiqué ce produit, d'une part pour ces deux boutons dessus qui sont, ça je continue et je persiste, pas du tout pratique pour valider, puisqu'il n'y a pas de bouton valider. Pour valider, on fait comme ça avec les deux doigts, ainsi que la petitesse de l'écran, et il faut faire défiler comme ça, rubrique par rubrique, avec un affichage quasiment monoligne. Je pense que la volonté originelle était de faire un produit qui ressemble à un produit familier, c'est-à-dire la clé USB, et qu'au final, eh bien, ça donne une ergonomie complètement ratée. Il n'y a qu'à aller à la maison du Bitcoin pour se rendre compte que la notice, pour se servir de ça, rentre sur une page A4 entière. Quand ta notice, c'est une page A4 entière avec 10 ou 12 étapes, c'est que tout simplement, l'ergonomie du produit, pour moi, est ratée, en tout cas au niveau simplicité. Allez, on va voir quand même la nouvelle interface qui amène a priori beaucoup de nouveautés, beaucoup de beauté, beaucoup de simplicité, puisqu'il y avait un autre problème qu'on a souvent critiqué, c'était la faible capacité de stockage des applications qui pouvaient manager une crypto-monnaie ou une autre. C'est-à-dire que grosso modo, une fois que vous aviez mis du Bitcoin, de l'Ethereum et du Zcash là-dedans, eh bien pour installer une quatrième ou cinquième crypto-monnaie, vous étiez obligé de désinstaller une application pour en remettre une autre. Alors on sait, pour les puristes et les défenseurs de Ledger, on ne perd pas sa crypto-monnaie quand on désinstalle l'application. Mais honnêtement, pour une application sécurité, sans parler du nombre de patchs, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'il y ait des patchs perpétuels sur ce produit-là. Je le sais qu'au final, c'est une bonne nouvelle, mais c'est inquiétant qu'il y en ait eu autant que ça. Ça pouvait annoncer aussi une mauvaise nouvelle du fait que le produit d'origine n'était pas spécialement sécurisé. Allez, c'est parti. Pour Ledger Live, vous allez sur ledger.com/live. Vous n'avez même pas besoin de taper tout ça et vous arrivez sur cette page web-là. Je vous l'ai déjà installé pour les besoins de la vidéo. Il est disponible sur tous les systèmes d'exploitation et il couvre donc le Nano S à une centaine d'euros et le Nano Blue qui n'est plus produit a priori dans ce que j'en ai eu dans la newsletter Ledger. Ça veut bien dire qu'il y a des nouveaux produits, on va pas se mentir, qui vont arriver tôt ou tard. Je pense qu'ils sont un peu au courant des problèmes ergonomiques de ce produit-là. Pour nous faire un beau produit avec, j'espère, un troisième petit bouton validé et puis un écran un petit peu plus grand et un petit peu plus sympa pour rester en tout cas le leader incontesté du marché. On a a priori des supports de plein de nouvelles cryptos. On a le ARC, le Bitcoin, le Neo, le Peercoin, le Vercoin, le Viacoin, le Zcash. Je vous laisse aller consulter la liste et bien entendu tous les jetons ERC20 basés sur la blockchain Ethereum que vous pouvez aller stocker directement dedans dès la fin de votre ICO. J'ai déjà donc installé l'application qui ressemble à ça au premier lancement. Welcome to Ledger Live. Pour le reste, je n'en ai vu que des captures d'écran et je découvre pour une fois en même temps que vous. Donc initialiser un nouveau Ledger puisque celui-ci est tout neuf et n'a jamais été utilisé, mais ici on pourrait utiliser bien évidemment un Ledger que vous avez déjà configuré et utilisé avec l'ancienne interface. Donc ici on va dire qu'il est nouveau, on est bien sur un Nano S. Connecter le Ledger, appuyer sur les deux boutons simultanément et presser le right button to configure as a new device et choisir un code PIN, donc entre 4 et 8 caractères. Et bien on va faire ça. Donc ici vous pouvez voir que sur le Ledger il me demande configurer un nouveau, donc j'appuie sur oui. Donc ensuite le Ledger va nous présenter les 24 mots un par un. Il va falloir les écrire sur un papier, sur le carton fourni dans la boîte, dans votre logiciel de gestion de mots de passe, qui passe et compagnie, là où vous voulez. En tout cas, vous les mettez en lieu sûr et vous ne les perdez surtout pas et vous faites en sorte qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Ensuite il va vous tester, il va vous demander par exemple le mot numéro 3 et le mot numéro 12 pour vérifier que vous les avez bien notés. Et ensuite enfin le Ledger sera initialisé, donc et le code PIN et les 24 mots.
Donc je suppose qu'on arrive sur l'étape où on serait directement allé si mon ledger n'avait pas été neuf et si vous l'aviez déjà initialisé, c'est-à-dire vous aviez déjà choisi et le code PIN et la passphrase. Donc ici, avez-vous choisi votre propre code PIN? Oui. Avez-vous bien choisi votre recovery phrase? Oui. Et est-ce un ledger authentique? Vérifiez maintenant. Connecter et unlock. Donc je connecte mon ledger, sa turbine sur le côté et on arrive ici à la célèbre interface, j'ai envie de dire la plus pourrie du monde. On a l'impression d'être en 1980. Mais bon, bref, on fait de la sécurité, on fait pas de la déco. Blablabla, donc continue. Nouveau password, data stored on your computer, including name, balance, transaction, public address. Donc a priori c'est optionnel, donc voilà, un nouveau password qui va aller protéger des données qui cette fois-ci sont stockées dans votre ordinateur et non pas dans votre ledger. Donc a priori combien vous avez de monnaie, parce que je crois que maintenant sur la nouvelle interface on peut faire du véritable suivi de portefeuille. Encore une fois, un mot de passe à ne pas perdre si vous le définissez. Donc faites bien attention à ça, à choisir le mot de passe qui va bien. Donc là je vais mettre un bidon que je changerai par-dessus pour la vidéo. On va mettre. Hop, voilà, continuer. Alors, Ledger will automatically collect technical info, hein, et vous voyez que vous avez super le choix. Voilà, donc là, on n'est même pas sur du Windows 10, c'est on collectera des données, un point, c'est tout. Ensuite, partager mon analytics. Ok, là on peut l'activer ou le désactiver et on peut reporter les bugs pour que Ledger les vérifie. Ok, donc allez, on va laisser ça activé. Félicitations, donc votre device is ready. On va enfin pouvoir installer ça. Donc voilà, avec si vous n'êtes pas un manchot pour noter les 24 mots, ça prend à peu près 5 minutes. Faites faire ça par l'oncle René dimanche midi qui n'arrive toujours pas à voir la différence entre un MMS ou un mail ou qui ne sait pas copier-coller pour la 115e fois où vous lui expliquez les photos de l'appareil photo du dossier DCIM vers le mes documents dans son Windows. Vous verrez qu'à mon avis, ce sera un petit peu compliqué.